Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non, qui est en fait un potager en devenir, situé dans le Nord et que je vais donc vous présenter de ce pas. Alors pourquoi démarrer un potager d'abord? Eh bien, le projet répond à deux motivations profondes. D'abord, passer du temps avec ma femme, autour d'une activité en commun, ça peut être bien. Oui, enfin nous, on aura des gants. Ensuite, cesser de manger de la merde. Mais c'est de la merde! Et oui, il avait raison Jean-Pierre. Comme ces tomates hors sol, par exemple, qui ont vraiment finalement le goût d'un grand verre d'eau, quoi. Je vais peut-être nous présenter avant d'aller plus loin. Séverine et moi, nous n'avons pas de jardin, ce qui explique peut-être notre choix. On s'est donc vu attribuer, à notre demande, un espace de 150 mètres carrés environ, à quelques minutes de la maison, dans le cadre de jardins familiaux de notre commune. Donc c'est une association qui gère ces jardins, qui est très dynamique et extrêmement conviviale. Alors, le potager, où est-ce qu'on en est avec le potager? Sans prétention aucune, je pense avoir à peu près compris comment fonctionne un sol, dans les grandes lignes. La question du sol vivant, en tout cas, m'intéresse au plus haut point. Je suis amené à en parler régulièrement avec mes élèves. J'essaie d'actualiser ma compétence et ma connaissance, d'ailleurs, plutôt, sur ce point, à peu près en permanence. En revanche, Séverine et moi ne connaissons rien du tout aux cultures légumières. Et là-dessus, nous devrons tout apprendre. Le maître mot, ce sera donc humilité. Alors, comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour tenir ce potager? Je suis convaincu qu'un sol vivant et en bonne santé suffira amplement à nous fournir de très bonnes récoltes. Notre parcelle est donc intégrée à un lot de 25 autres parcelles environ, et nous serons très attentifs à n'être à l'origine d'aucune gêne pour nos voisins jardiniers. Nous allons nous inspirer des principes permacoles autant que possible, en tâchant d'allier ces pratiques non conventionnelles avec la proximité d'autres jardins qui, eux, le sont conventionnels. Le respect des autres passera avant la rentabilité de notre potager. Nous utiliserons la permaculture un peu comme une caisse à outils dont nous sortirons les outils dont nous avons besoin. Il ne s'agit ni d'un dogme, ni d'un sacerdoce dans tous les cas. Nous avons découpé notre parcelle en planches de culture, que nous avons matérialisé donc par des encadrements en bois d'environ 10 cm de haut. À terme, le terrain accueillera plus ou moins 12 de ces planches de culture, de 4 mètres sur 1,20 m, et nous placerons ponctuellement un tunnel sur certaines de ces planches. Plusieurs intérêts à ce système. Un intérêt social d'abord. Pour nos voisins de parcelles notamment, je pense qu'un compostage de surface, par exemple, ou un paillage, sera bien mieux accepté s'il est structuré et encadré de la sorte. Un intérêt technique ensuite, car ce système nous permettra de ne pas tasser le sol de nos parcelles et d'organiser au mieux les associations entre les espèces cultivées et puis aussi la rotation entre nos légumes. Nous tâcherons par ailleurs de maintenir un maximum de biodiversité. C'est tout à fait envisageable, même sur un petit espace comme celui-ci. On verra ensemble dans une future vidéo comment on va s'y prendre. Dans tous les cas, tout partira du sol. Ce sol est sans doute très bon, il a porté des cultures satisfaisantes jusqu'ici. Cependant, je constate qu'il est assez argileux et il est susceptible quand même d'être amélioré, redynamisé. Et nous allons donc nous y employer. Notre objectif est de ne plus jamais retourner le sol de nos planches de culture et de favoriser l'installation et le développement de toute l'usine biologique de ce sol. Ce sont ces organismes qui garantiront les propriétés nutritives de notre sol. Nourrir le sol pour nourrir les plantes. Nous ne soutenons pas non plus l'idée selon laquelle un sol propre est un sol nu. D'ailleurs, le sol sera couvert ici quasiment en permanence. Là encore, nous le verrons un petit peu ensemble dans le cadre d'une future vidéo, comment nous allons nous y prendre. En fait, on va simplement chercher à établir un sol vivant, structuré et stable, disposant d'un complexe argilo-humique satisfaisant, à l'image d'un sol forestier finalement, un des sols les plus fertiles qui soit, sans jamais être retourné. Nous ne cultiverons pas non plus sur but, que ça soit en lasagne ou selon d'autres principes, car je n'entrevois simplement aucun avantage, dans le contexte qui est le nôtre, à la culture sur but. Je ne reproche rien à la culture sur but, que je vois plutôt comme une mode, finalement. Mais en dehors de certains contextes très particuliers, je ne reconnais pas non plus de plus-value à cette méthode. Enfin, enfouir la matière organique sous une butte, ça va complètement à l'encontre des principes fondamentaux qu'on va appliquer ici, quoi. Nous recherchons donc une interrelation en quelque sorte bénéfique
entre les différentes espèces cultivées, de manière à limiter au maximum nos interventions et à encourager les résistances naturelles de nos légumes vis-à-vis de leurs ennemis. L'idée, c'est en quelque sorte de mettre au point notre propre modèle agronomique qui se voudra adapté à notre contexte, tout en répondant au volet écologique de notre cahier des charges. C'est-à-dire sans intrants chimiques et économiques en eau. Voilà, cette première présentation de notre projet s'achève. Prenez cette vidéo comme une invitation, vraiment. Nous vous proposons de nous accompagner donc et de suivre avec nous l'évolution de ce potager, qui devrait trouver son équilibre, je dirais, d'ici 2 à 3 ans, quoi. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques, questions, etc. à travers les commentaires sous la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.